Mais what the fuck, man? T'es mal à texture? Yo! Tout le monde, comment ça va? On est là! Ah non, c'était trop nul en fait comme intro. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, parce que moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo réfléchie depuis à peu près 2-3 semaines. C'est une vidéo où je vais essayer de manger des trucs super bizarres que j'ai trouvé pendant mes courses, mes expéditions, mes explorations en Allemagne depuis que je suis arrivé. Et donc, on va goûter tout ça. Mais avant ça, je voulais vous dire merci parce que c'est la 4e vidéo que je fais, donc ça veut dire que ça fait un mois que je fais des vidéos sur YouTube, ça fait un mois que je me suis lancé sur YouTube et j'ai beaucoup de commentaires positifs, j'ai eu des abonnés en plus, j'ai des partages de vidéos, donc continuez comme ça s'il vous plaît parce que ça me motive énormément et je vais essayer de faire des vidéos toujours meilleures, stylées, plus cool, n'hésitez pas même à me donner des idées si vous voulez. Et puis bah voilà, allez c'est parti, on va goûter toutes ces choses dingues. Let's go! Allez, c'est parti pour le Can You Hit This Challenge. Ok, j'arrête. On prend la petite assiette. En plus, j'ai super faim. Et donc, bah, comme un vrai repas, je vais essayer de faire du salé, du sucré, un dessert, etc. Donc, j'ai pas mal de petites choses un peu super bizarres. Et on va commencer par manger de l'ours. Bärchenwurst, plus drôle dans le sens là. C'est du jambon en forme d'ours. Jambon, j'ai aussi du salami, hein. Parce qu'ils ont fait les deux, hein. Ils y vont à fond, quoi. Donc tu manges du jambon et du salami en forme d'ours. Imagine, tu donnes ça à ton enfant qui a genre 4-5 ans. Tu dis, tiens, on va manger du jambon et du salami en forme d'ours. Donc le petit va dire à ses potes, ah ouais, j'ai mangé du jambon d'ours et du salami d'ours. Imagine le délire. Puis tu te rends compte un jour, c'est la désillusion, c'était faux. Genre tu vas arriver, tu as 11-12 ans, tu vas dire, ah non, c'était pas du jambon d'ours. Toute ma vie, j'ai cru que je mangeais de l'ours. Mais non, c'est pas du jambon d'ours. Bon, allez, on teste. C'est super chelou, quoi. Oh. C'est moi le salami ours, là, là. Ouais, on va se faire un sandwich avec du salami ours, du jambon ours. Oh, le jambon ours, il fait super badé. Oh, ça sent pas... C'est pas périmé, ça, là? Ah non, c'est pas périmé. Ah ouais, je suis pas serein. Le jambon ours. On le met dans l'assiette, et avec ça, j'ai trouvé un truc encore plus badant. Le fromage souris. C'est pas une souris, c'est un ours, ça. Oh, t'es masse, ce genre de bail. Yo! Un bout de fromage au milieu et un bout de jambon ours. Oh, je suis pas du tout serein. Allez, on teste. Oh, la texture. Ah! Ah, tu sens que c'est des trucs recomposés de recomposés. Ah, c'est chaud. Je vais le mettre de côté, je pense que je le finirai plus tard. Ok? On mange la viande, hein, c'est bien. Mais un repas équilibré, de la viande, des féculents. Et des légumes. Trouver un truc, alors ça, je vous dis franchement, j'ai pas envie de le manger, mais pas du tout. Hein. Mais je vais le faire pour vous. D'ailleurs, mettez des pouces pour ça, hein, parce que déjà, je vois la boîte, elle est un peu enflée. Regarde, 2803, c'est pas périmé. Ok, allez, c'est parti. Ceci est du jambon de légumes. Je sais pas ce que c'est de la gelée avec des légumes. Ah. Ouf. Oh là, oh. Faut vraiment que je mange ça. Oh, le truc dégueulasse. Ah, j'ai pas envie. Ah non, là j'ai pas du tout envie. Hein. Oh. Mais what the fuck, man? T'es mal à texture? Et je prends une seule bouchée. Il y a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de pouces pour ça parce que là j'ai vraiment pas du tout envie de le manger. Je vais prendre la carotte ici. Tac. Oh non, faut pas. Une minute. Ça, je peux pas. Je préfère même reprendre un peu de mon sandwich d'ours. Oh non, c'est hardcore de chez hardcore, quoi. Jamais de votre vie. Ah, horrible. Je me mets dans les délettes. J'avais faim, mais je commence à plus avoir très faim. Je sais pas si c'est normal. Mmh. Très bon. Ça a l'air très gras, mais très bon. Mmh. Mmh. Je commence à avoir soif. Donc je vais goûter une des boissons que j'ai achetées. Fratellini Secco. Frisante. Je sais pas trop ce que c'est. C'est pétillant. C'est quoi ça? Ah, ça doit être à la pomme. Ça sent comme du champagne. C'est du champagne. C'est du champagne. C'est du champagne. Alors moi je prends ça au hasard et c'est du champagne. Bon bah, à la vôtre. Ouais bon. Moyen plus sain.
Bon, en tout cas, ça, les enfants, les petits, hein, qui ont moins de 18 ans, interdit, hein. Pas le droit de boire ça. Hein. Que moi qui ai le droit. Enfin, les autres gens qui ont mon âge. Et un peu en dessous de moi aussi. Enfin, pas les moins de 18 ans, quoi. Par quoi je commence? Que des trucs de ouf. Que des trucs de ouf. Ok, on commence par les yogourettes. Alors ça, je sais pas ce que c'est, encore une fois. Ça va être un espèce de Kinder, comme les Kinder, comment ça s'appelle là, Kinder Maxi, là, mais en petit. Kinder Maxi Mini. Sauf que c'est là à fraise. Donc on va l'ouvrir, tac. Oh là, oh là, on l'ouvre. Son chocolat. Ah non. Ah, c'est chaud un peu. C'est la, on dirait, ah, c'est comme la fraise, vous savez, dans les petites barquettes coupées en deux, c'est des glaces, il y a du blanc et du rose. Et le rose, la fraise là, c'est le même goût. Bon allez, on fait que sec parce que... C'est pas tout, mais faut pas gâcher. Ok, je viens de me rendre compte que j'avais fait une grosse bêtise, c'est-à-dire que là, l'appareil où il est sur une table. En fait, posé juste devant mon tiroir où il y a mes cuillères, mes fourchettes, etc. C'est-à-dire que si je bouge, il va falloir refaire tout le réglage vidéo. Il y aura toute la vidéo avec ce cadrage-là. Ce cadrage-là. Puis si je change, bah, il va falloir faire un autre cadrage. Donc bon, j'ai les yaourts qui sont super chelous. Je sais pas ce que c'est en fait. Mais donc en plus, je vais devoir les manger. Genre, je vais essayer de faire une cuillère avec, avec ça. Allez, c'est parti. Oh là là. Oh la couleur. Oh la couleur où t'es pas serein du tout. Expliquez-moi pourquoi je fais ça. Eh vraiment, mettez des pouces, hein. Il faut qu'on dépasse le seuil de 30 pouces, qui est pour l'instant, je crois, mon maximum. Ce n'est pas énorme, mais c'est déjà très très bien. Il faut au moins faire 34 pouces. C'est bien 34. 4 de plus, c'est une bonne évolution. Mais ça n'a pas de goût. Oh. Oh. Mais c'est de la gelée en dessous. Oh non, oh, oh, je... oh. Ah! J'arrive même pas à distinguer le goût en fait. Je sais pas. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça a pas de, je sais pas à quoi c'est. On va essayer de goûter plus le verre en dessous là. Voilà. Donc, bon. Et ça a pas de goût. Genre c'est un yaourt de rien. Y a du rien dedans. Du rien vert. Genre ils ont dit, oh on va faire du rien, on va mettre du colorant vert avec un peu de truc chelou jaune. Ça s'appelle comment? Regarde sur l'étiquette. Du. J'ai même pas regardé le titre. Le nom du truc, s'appelle du pudding. Pudding de rien. Ça, c'est pareil, je crois qu'on peut mettre dans la case des lettres. Ok, allez, c'est parti. C'est là. Oh merde. Hmm. Du Capri Sun. Bon, ça va. Comme du Capri Sun. Attention, hein, je n'ai absolument pas d'affiliation avec quelque marque que ce soit. Tel que Capri Sun. Donc ne voyez pas par ici un placement de produit. Hein. Je n'ai pas cette réputation là pour faire ceci. Faut que je prenne l'énergie. Mon bonbon. Allez, c'est mardi. Lol, double lol, triple lol. Oh là là, c'est encore un truc chelou. Nel direct, de l'énergie qui va rapidement et directement. Dextro énergie, genre. On dirait un nom comme le desktop, un truc puissant pour nettoyer, un truc pour enlever toutes les saletés qui est bien, bien chimique. Dextro desktop enlève toutes les saletés et est très dangereux pour la santé. Ok. Ah si, c'est bon, j'ai compris. Est-ce que ça se mange vraiment comme ça? Ça se trouve, c'est comme de l'aspirine. J'avais fait, ça peut être... Je sais rien, en fait, c'est de la merde, je crois. Je crois que c'est juste de l'arnaque, ça peut pas être de l'énergie. Et quoi dedans? Dextrose, 89%. Ah ouais, donc en gros, ils ont leur molécule. Tu sais pas ce que c'est du dextrose. Et c'est censé te donner de l'énergie. Oh, il est trop tôt, j'ai pas envie de savoir. Pas envie de savoir. Je ne mangerai plus ça. Bon, petite boisson. Ah, enfin, le bonhomme, on va prendre un briquet pour l'ouvrir, wesh. Ah bon? J'ouvre ça. C'est au gingembre. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que j'ai encore pris? Hindenberg. Le bon Hindenberg. Je vous jure, je crois que c'est au gingembre. Mauvais bail ça. Un truc du pays pour avoir la force toute la nuit ça. Hein, hein. Je referme hein. Et je mets de côté. Je garde, Allez, je garde quand même. Je sais pas si mon ventre va survivre à tout ça, hein. On verra ça plus tard. Dernière chose. Les Hitchler. Donc si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, mon Game of Scoot, vous avez parlé des mini Hitchler et j'ai trouvé des nouveaux Hitchler XXL qui sont 100% végétariens. Oh what? Elle est partie où ma force? Je suis parti en vacances. Allez, viens là.
Un bonbon, quoi. Hein. Ça, je garde. Ok, tout le monde. J'ai encore faim, parce que concrètement, bah, j'ai l'impression d'avoir mangé du vent et tout, pas du tout bon. Donc je pense que je vais me faire un bon gros repas, là, juste après avoir terminé la vidéo. Mais en tout cas, c'était bien drôle à faire. J'espère que vous avez aimé ce que j'ai fait. Et qu'encore une fois, bah, c'est une vidéo que vous allez liker, que vous allez commenter, que vous allez partager et que vous allez vous abonner à ma chaîne. Faites-le. Allez-y. Abonnez-vous. Abonnez. Non, sans rigoler. Merci beaucoup de me suivre et de me permettre de faire cette vidéo parce que c'est grâce à vous que je l'ai fait. C'est pour vous que je l'ai fait. Sans vous, il n'y aurait pas de vidéo. Donc vraiment, c'est cool. Et donc, bah, si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, on like, on commente, on fait tout ce qui est possible d'être fait. Et surtout, et bah, ce sera mercredi prochain. Prochaine vidéo à 18h, soyez là. Et merci de me suivre. À la prochaine. Allez, salut!